Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Alors, je vais retirer ça de la main. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Comme je l'avais dit lors de la fin du dernier épisode, donc j'ai juste développé le HUB avec tous les jalons possibles. Je peux pas voir les jalons débloqués? Si, voilà. Ouais, donc j'ai débloqué tous les jalons. Au niveau des récompenses. Qu'est-ce qu'on n'a pas débloqué? On a le tremplin et le coussin, mais pas très intéressant. On a tout ce qui est broyeur à somme, cartouche de couleur. Pour l'instant, ça m'intéresse pas plus que ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, t'as la longue. Ah, on peut rajouter des couleurs. Acheter des couleurs, genre là par exemple. Customizer. Ah ouais. Genre je peux customiser la couleur là? C'est quoi? C'est left. Non, d'accord, il faut faire ça. Tu choisis la couleur, genre tu choisis, je sais pas, ça. Je crois que ça a modifié la couleur, mais j'y bite pas grand chose à la couleur. Je suis pas sûr que ça. J'en suis pas sûr. C'est pas grave. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'allais rechercher un peu de biomasse parce que les plombs ont sauté. Non, pas les plombs ont sauté, je veux dire, l'usine s'est arrêtée. Enfin, si les plombs ont sauté parce qu'il n'y avait pas assez de centrales en marche. Zut. J'ai fait quelque chose. Je voulais. Oui. J'ai rajouté ça. Mais ça, ce sera pour plus tard. C'est un magasin Awesome. Je sais pas trop. On peut avoir des panneaux d'affichage, des éclairs, enfin des projecteurs, etc. On verra ça plus tard, des coffres d'apparence, etc. Ici, j'ai rien fait du tout. Et je voulais faire avec vous, c'était, on avait trouvé, je sais plus si je l'avais trouvé avec vous ou pas, mais j'avais trouvé une épave. Je me suis dit, pourquoi pas explorer cette petite épave ensemble, avant de passer à la suite. Ah. Oh, merde. C'est pas le bon! Hop là. Viens là. Arrête de me balancer du plasma, c'est chaud. Je suis toujours aussi mauvais par contre. Voilà. Et il me semble que y avait une épave par là. Je crois. C'est que je vais l'avoir paumé l'épave moi. Moi, je me suis dit, elle est pas loin de la base. Ah, là-bas. Derrière le caillou. Hop là. Allons explorer tout ça. Ça se trouve, on va y trouver des trucs intéressants. Oh, du béton armé. Wow! Alors, on y trouve. Oh non, il y en a deux. Désolé, j'ai fait du mal à ton copain. Aïe 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 aïe. Ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Oh, pétales de fleurs. Des pétales de fleurs, yes. Qu'est-ce que c'est que ça? Il reste que deux réacteurs. Un rotor pour ouvrir? Ah ouais. Ouais, bon, on ira l'ouvrir plus tard. 21 rotors. Ah ouais, c'est pas. On a du câble. Qu'est-ce que.
Pourquoi il y a une ombre d'un coup? Ah oui, on passe derrière là. La... C'est quand même bien fait. Hein. Elle avance tranquillement, l'ombre. C'est pour le coup, la gestion des lumières. Bon, bah voilà, on a exploré l'épave. Bon, faudra des rotors pour ouvrir le reste. Actuellement, un peu flemme. Est-ce qu'on voit bien? J'ai jamais fait attention. Peut-être vous mettre la lumière. Je sais pas si on voit bien sur le rendu la nuit. Ouais. Du coup, il fait jour. Non, il fait nuit, il fait jour. Attends, le soleil s'est couché là-bas. Il y a deux soleils. Ok. C'est quand même haut. Oui. Ça y est, je sais ce qu'on va faire. On avait débloqué bah, justement l'ascenseur orbital. Et qui nous demande 50 trucs là. 50 plaques intelligentes, plaquages intelligents. J'ai créé les plaquages intelligents. Voilà. C'est vrai que c'est un peu long, ça met 25 bonnes minutes et en plus on peut pas les faire à la main. On est obligé de les mettre dans une machine, bah dans le... Comment ça s'appelle? Dans l'assembleuse. Donc deux entrées différentes pour créer un objet. Et on va devoir envoyer ça tout en haut. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc si je me trompe pas, là faut mettre ça. Ok, j'ai fermé une caisse. Ah d'accord, faut pas quitter la... Hop, et on envoie ça. Et hop, ça monte. Ok, c'est tout. Y a pas de... Non, bah ça a l'air d'être tout. Hein. Bon bah un peu triste, un peu déçu. Juste le petit son. Ok, bon je suppose que ça m'a débloqué des particularités au hub. J'espère. Sinon je suis un peu triste. On va voir ça ensemble. Alors... Hop là. Ah oui, on a débloqué deux paliers. Alors qu'est-ce qu'on a? Alimentation au charbon. Ouais, je crois que c'est ça qu'il va falloir faire. Transport motorisé. Ok. Production d'acier. Corps à corps amélioré. Ah oui, il y a le cogne Xenos, le fameux. Alors, je vais partir très vite sur ça. Oh, il faut des rotors. Oh, c'est terrible. Il faut 50 rotors. Et là-bas, il nous en faut 50 de plus. On en fait une centaine. C'est quoi ça? Ah oui, mise à jour du scanner pour les... savoir où est-ce qu'il y a du charbon. Bon. Pas ouf comme production d'électricité, mais bon, bah, y a pas le choix. C'est toujours... c'est moins chiant que la biomasse. Et surtout que ça repousse pas la biomasse, donc à terme, ça va être très compliqué. Il me faut ça et ça. Ok, bon, on va faire des usines pour créer automatiquement du... des rotors et des plaques machin.
Des plaques de fer renforcées, je vais faire ça. Alors il faut des plaques et des vis, oui, pour la première. Et quoi, je vais faire ça en... Vraiment genre un peu à l'arrache. De toute façon, c'est pas trop choix au début, c'est trop temporaire. Hop, je vais en faire une centaine de chaque. Ça, toi tu vas aller là. Et les vis, c'est là. C'est bien là les vis, hein. On va alimenter quand même. Y a un poteau dans le coin ou pas? Oui. Effectivement, si je dis pas ce qu'il faut produire, ça va pas produire. Voilà. C'est 5 par minute. Pas rapide, hein. C'est clairement pas rapide. Et il m'en faut 50. Donc c'est bon dans 25 minutes. Hop. Ouais. Bon, ça fait rentrer de la vis, forcément. Je ferai pareil pour... Je crois que ça demande de la vis, ouais, parce que ça demande de la vis aussi. Je ferai pareil pour le deuxième tout à l'heure, parce que ça demande de la vis et je peux pas le faire en parallèle. Avec les technos actuels. Mais on va voir si on a débloqué autre chose, genre ici. Non. Ah ouais, on a vraiment juste débloqué le fait de pouvoir débloquer des niveaux, quoi. Je regarde si on a un truc qu'on peut débloquer rapidement en attendant. Ça, je vais faire des plaques de fer renforcées à la main et du fil électrique. Allez. Ça ira plus vite. Du fil électrique, c'est où? C'est où? C'est peut-être par là. Côté. L'autre à côté. Hop, je vais prendre un peu de vis. Je vais prendre un peu de plaques de fer. Et on va créer, ce qu'il faut à la main. Combien il en faut déjà? C'était ça. Aux 100 plaques de fer renforcées. Le reste j'ai. Bon bah c'est parti. En vrai ça va vite, hein. Est-ce que... Parce que là je le fais rapidement à la main. Mais est-ce que là c'est des rotors qu'il me faut? Est-ce que je les ferai pas à la main aussi? Parce que là j'en fais plus que 5 par minute. Enfin des plaques de fer renforcées, là on voyait que sur la machine c'était 5 par minute. Je pense que les rotors, c'est pareil, ça devrait être pas trop long. En vrai, je vais faire ça, hein, si ça peut accélérer le process. Parce que là, pour le coup, il s'agit vraiment que de débloquer de la techno, quoi. Allez, on y reste. Plus que deux. Hop là. Et on va débloquer ça de suite. Tac, tac, tac. Voilà. Merci à toi. On envoie. Nouvel équipement, on a gagné aussi de la place. Oups. C'est cela? Non, ouais, je crois qu'on a gagné de la place dans l'inventaire. Et qu'on a un cogne Xenos, ça va le faire. Il me faut du câble et trois cadres modulaires en plus. Ouais, ça devrait être bon. On va faire des cadres modulaires à la main. Il en faut 3, ça va être ça. Ah. Plaque de fer renforcée. Il en faut 3, je disais. Ouais, bon, je vais en faire 9. Et le cogne Xenos. Pas déjà. Qui nous permettra de... Enfin, qui fera, c'est même pas qui va nous permettre, qui fera plus de dégâts aux créatures hostiles. Hop, c'est bon. Tiens, je vais ranger ça, je vais ranger ça.
vais ranger ça. Les pétales de fleurs. Et les feuilles, je vais les ranger là-bas. Voilà, comme ça au moins, on a un inventaire propre. Même si l'inventaire, il va grandir de plus en plus. On n'en a jamais assez. Un peu comme sur Minecraft, pour ceux qui y jouent. On n'en a jamais assez. Cogne Xenos, normalement je dois voir ce qu'il faut. Ah oui, non, c'est vrai. Il manque ces deux-là. Je suis bloqué par quoi là? Et voilà. Donc ce qui fait que déjà on a une nouvelle place dans l'inventaire, ça c'est cool. Hop, ça va pouvoir partir et on va mettre à la place Cogne Xenos. Regardez-moi ça, une belle épée. Belle épée là qui fait un peu plus mal. Ouais, je peux pas vider mon... Comment ça? Là où la tronçonneuse, elle est là. Hop. Ah, je peux plus... C'est quoi ce délire? Dire que je veux plus rien dans les mains? Parce que c'est gros quand même. Bon. À part comme ça. Ça me permet d'un peu, mieux voir ce qu'on a... On a devant nous. Alors, il y avait besoin, si je me trompe pas, de rotors. Les rotors, c'est des vis et des tubes d'acide, des tubes de fer. Tiges de fer. Il en faut combien? Ça fait 250 tiges de fer et 1250 vis. Donc les tiges de fer, ça devrait être bon. Oh merde. Oui, alors c'est bon, mais quand même, hop. Voilà, et 1250, on a eu du. Alors là. 1, 2. Tac. Voilà. Et pendant que ça s'occupe de faire les plaques de fer renforcées, tiens d'ailleurs je vais en récupérer quelques-unes. Parce qu'il en faut combien? C'est 150 hein, je crois. Ouais, il en faut 150. Eh ben on va faire quelques rotors à la main. Oh, on a de quoi en faire 74, c'est bon. Mais c'est ouais, rapide les rotors. Bon, et dans tous les cas en plus les plaques de fer renforcées ça servira... Ça sert pour beaucoup de choses, ça soit, il me semble, fonderie, ce qui transforme les lingots en items, je sais plus le nom, mais ça sert vraiment pour beaucoup de choses. Ah zut, j'ai même pas le nom global du machin. pour beaucoup de machines, voilà. Oula. C'est compliqué, dire. C'est compliqué le matin. Les rotors, il y en aura moins besoin, moins au début. Ah oui, là, vous pouvez me dire aussi, oh, regarde, il y a la phase 2, là, il y a des trucs à faire. Ouais, non, mais là, elle est chère. En sens, c'est très cher. On verra ça plus tard. Ah oui, mais d'ailleurs, avec les rotors, je peux aller ouvrir la... Le truc, là, le vaisseau écrasé, la carcasse. Je vais aller ouvrir la carcasse avec, avec ça. Je vais tout faire. Je me souviens plus exactement combien la carcasse, elle en demande. Et j'arrondirai après, je ferai en sorte d'avoir ce qu'il faut... pour l'amélioration tout simplement. Non, on a déjà 63 rotors, 64, c'est bien ça. Ça va vite. On va pouvoir équiper notre fabuleux comme Xenos d'ailleurs, comme ça si on en trouve. Enfin, si on en croise plutôt, parce qu'on va pas spécialement chercher, on pourra se défendre un peu mieux. Alors c'est lequel? C'est celui-là, voilà.
Allez, à l'assaut des... du sable. C'était par là. Ah, c'est bien, on y voit mieux quand même en plein jour. J'y pense comme ça. Ah bah tiens, oui, bah oui, effectivement. Ah ouais, il y a d'autres trucs un petit peu... En fait, ça s'est un peu éparpillé. Ok, ici on est bon. Je vais regarder un tout petit peu au-dessus. On peut pas monter. Oh, sniff. Ok. Voyons voir, c'est où le truc à ouvrir, c'est ça. C'est le largage, allez. Qu'y avait-il dedans? Un disque dur. Ok. Ça va. Okay. Qu'est-ce qu'il faut en moteur encore? En retard. Le disque dur, ça s'analyse ça, je crois. Donc je crois que c'était des copains ça, enfin des copains des d'autres personnes qui se sont fait un peu larguer comme nous sur la planète. Hein. Sauf que bah ça s'est mal passé l'atterrissage plus étrangement pour eux. C'est pas ouf l'entreprise qui envoie des personnes sur une planète et qui pas qui crache comme ça. Le disque dur, on va analyser le disque dur. 10 minutes d'analyse. Ah bah. Ah ben. Bon, on n'a pas croisé de Xenos. Ça, on va voir où est-ce que ça en est. Ok, je vais prendre des plaques, des vis et on va en faire un peu à la main. On va aider la machine qui n'est pas très rapide. Hop. Tiens, il en sort un, il en rentre un. C'est pratique ça. Oui, c'est mieux si c'est ça. Ouais. En tout cas, on a une bonne consommation de vis. Là, 12 par 12. Le fer, ça part très très vite. Très vite. Les plaques de fer, ça va encore, mais c'est vrai que les vis. Peut-être devoir doubler la production au moment. Mais bon, ce sera une fois qu'on aura de la une bonne alimentation normalement. Une fois qu'on sera sûr d'avoir tout ce qu'il faut. Parce que. Là, je vous avoue, je vais faire des allers-retours pour aller chercher de l'herbe, des feuilles, plutôt des feuilles du bois un peu. J'ai à chaque fois de plus en plus loin. C'est compliqué. Alors ça tourne, hein, heureusement, hein, ça me permet de faire tourner les. Le tout, hein, mais vous voyez. Là j'ai. Ouais, il a tout transformé, j'ai pas grand chose. Hein. Alors j'ai combien de. Les 99. Eh ben, je vais refaire une tournée. Tiens, bonne question, est-ce que j'ai ce qu'il faut en plaque? Ouais, je vais reprendre 200. Je vais reprendre les 500 vis. Hein. Ouais, les vis, ça part, mais ça part beaucoup trop. Il me reste 1000 vis à peine. Hein. Et ouais, c'est moche. Et là, j'en fais combien? J'en fais 42 par 500 vis. Il m'en faut 150, je crois. Et là, je vais arriver à 141. On va voir si si la machine aura fait les 9 derniers toute seule. Et ensuite, une fois qu'on aura débloqué ça, on va enfin pour aller chercher. Alors, juste chercher, hein, chercher du charbon.
Ouais. On va pas dit trouver, on a dit chercher. Bon, normalement, quand même, on serait censé trouver avec, avec le radar. Donc les mines sont plutôt visibles, pas besoin de creuser très profond, hein. Même pas du tout. C'est ça qui est vraiment pratique, c'est... Pourquoi creuser quand c'est apparent? Allez, on est à 141. J'ai dit 131? On est à 141, j'ai mal... Bon, c'est 140... Ah bah alors, parfait, on a tout ce qu'il faut. Alors peut-être pas parce qu'on a utilisé des matériaux, mais au moins on sait qu'on a le plus cher. Ouais, il me faut des... Il faut des bobines, il me faut 300 bobines, ça c'est tranquille, je crois que c'est là les bobines. Ah bah c'est complet. Hop, le câble. Parfait ça. Au moins en plus on a un truc de totalement rempli, enfin... Qui était totalement rempli, qui va redevenir totalement rempli bientôt. Voilà. On débloque ce qu'il faut, jalon pour charbon. Allez, décolle mon ami. Nouvelle ressource à scanner, ça c'est bien. Allez, on retourne. Casse pas tout en passant. Hein. Ça va. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a débloqué? La pompe à eau. Donc c'est l'eau qui va permettre de faire fonctionner les turbines. D'ailleurs c'est con normalement. Enfin, ouais. Oui forcément la centrale à charbon. C'est moche. Mais bon y a pas autre chose dans le jeu. Oh ça demande des rotors, des plaques machin. Oula. Ok. Des pipelines, transporter l'eau, des supports de pipeline, transporter l'eau, des réservoirs pour l'eau, et c'est déjà pas mal. Ensuite on a, alors on peut chercher du catharium, mais ça on s'en sert pas encore. Bonjour, il y aurait du charbon s'il vous plaît? C'est une blague? Il y a pas de charbon? Ah purée, il est où? 1 km! 1,5 km! Ah, vache! Ah ouais mais non mais attends... Voilà j'emmène tout hein. Oh merde. Oh mince. Ah je suis déçu. Je suis triste là. Oh la vache. 1,5 km. Waouh. 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 Ouais. Ok. C'est pas ouf ça. Pas du tout même. Bon. Dans ce cas, si j'ai 1,5 km, il va vraiment falloir que j'évite les allers-retours. Donc je vais faire le plein de matériaux. Mais avant, il faut... Il faut que je rajoute quelque chose, il va falloir faire un autre truc. C'est que bah, pour les pipelines, j'ai besoin de cuivre, enfin de tôle de cuivre, quelque chose comme ça, je sais plus le nom exact. Et pour ça, bah, je vais rajouter une nouvelle foreuse. Tiens d'ailleurs, je vais prendre ça parce qu'il me semble que... On va pouvoir tester le Conux Xenos parce qu'il me semble que là-bas à côté de la mine il y a un truc. Regardez là. Ça là. Il
J'ai pas vu la différence d'efficacité là. Voilà, on a du minerai de cuivre. Là, on a une belle petite cascade. Bon, maintenant qu'on risque plus rien. Et on va aménager ça et on va faire juste vraiment un truc à l'arrache. Hein. Vraiment là pour le coup. Petit coup de foreuse. Alors ouais, alors dans l'autre sens c'est pas mal. Dans ce sens là, ça serait cool. Ça produit combien, 60 ça? Ça produit 60. On va mettre deux fonderies. Je l'ai pas fait trop près ça. Un peu trop près. Comme d'hab. Voilà. On va se mettre sur la hauteur là. Un répartiteur. Ah oui, c'est vrai que c'est plus bas du coup. Alors. Une entrée. Hop. Je vais avoir besoin de tirer un câble. Alors, lequel on a. Lui, il a de la place. Ok, un câble qui va là. Un qui sera là. Un qui sera là. Je pense que là, on sera bon. Hop. Voilà. Ensuite, c'est dans production. Je sais pas comment ça produit. Je connais pas la quantité en vrai. Tôle de cuivre. 20 par minute. Ok. On va pouvoir en faire 3 en parallèle alors. C'est là à chaque fois, c'est hop, chaque fois je me trompe. Hop. Donc je mets un groupeur. Et juste derrière, je vais mettre un répartiteur. Et devant. 3 constructeurs. Ah, quand je vous disais que les plaques ça servirait. Ah, désolé l'ami, là tu me bloques un peu là. Impec. Heureusement il avait encore de. J'ai même pas broché, pourquoi ça a sauté? Oh là là là, c'est vrai que en plus là la conso a encore augmenté. Bon, alors on branche ça et on ira voir plus tard. Oui, il faut que je dise ça va construire quand même. Ça m'en sort 10 en sortie, hein, c'est pas tant que ça. Hein. Ok, et puis je vais tout mettre dans un convoyeur là. Je mets là le convoyeur, hein, flemme. Pour ce faire, il me faut un groupeur. Groupeur, pardon. Tac. 2 3 4 voilà. Je suis sûr c'est lui qui a tout cassé là. Ah, de l'ombre. Ah ça y est, j'ai rempli le. Ok.
Les bobines sont de nouveau remplies. Au moins, ça me fera toujours ça, au moins, consommer. Bon. On va réalimenter tout le bazar. Hop, venez là, messieurs. On va voir à quel point on a... Ah ouais, y en a vraiment zéro là en plus. Oh. C'est terrible ça. Oh, ça part, mais... Comme des petits pains. Parce qu'on voudrait pas que ça parte comme des petits pains. Bon, ça c'est bon. Pas pour longtemps. Attends, j'avais du rame là, je suis pas fou. Hein. Ouais, j'en ai un tout petit peu. J'ai pas refait ça. J'ai pas remis en marche. Hop. On est comment en capacité, ouais. Par contre, quand on va brancher, ça va sauter. Hein. Il y a un gros risque. Enfin, je sais que j'ai une partie de l'usine qui tourne pas parce que j'ai plus de production de bobines. Heureusement. Ah oui, j'y suis déjà. Mais c'est mince, c'est où? Bah, c'est là, mon ami. Vous êtes prêts? Ah, ça va pas sauter de suite parce que la foreuse elle a pas aimanté le reste. Oh pardon, j'ai pas mis ça. Voilà, la première production de minerai. On dispatch. Excusez-moi. Eh ouais. Devoir créer une autre centrale. Purée. Ça veut dire que ça va consommer encore plus. C'est terrible ça. Hein. Bon, heureusement, normalement, avec le charbon, ça devrait. Ça devrait être bon. C'est un vrai parcours d'obstacles, hein, par contre. Hein. Bon. Rajouter une. Par contre, j'ai pas grand chose en... En carburant, là. Oh là là. En vrai, je sais même pas si ça va suffire. Consommax 140. T'es sûr de ça? Je suis pas sûr. Si je suis sûr de ça en fait. Effectivement j'ai pas alimenté mes dernières usines donc Consomax 140 ça me paraît ok. Par contre une fois consommé, une fois branché je veux dire. Ça sera calculé, ça veut pas se recalculer la Consomax. Tu vas me dire que ça consomme rien ça. 4 mégas, oh c'est bon. Ça tourne et ça devrait surtout remplir rapidement le... Le conteneur, enfin rapidement, tout est relatif, mais ça devrait aller quoi. Parce que là, du coup, en fait, il va falloir que
Il va falloir que je prépare plusieurs trucs. Quand je vais aller aux mines de charbon, il va falloir que je prévoie plusieurs trucs. Il va falloir que je prévoie le nécessaire déjà au générateur de charbon. Beaucoup de plaques de fer renforcées, des rotors, etc. Et je vais forcément oublier des trucs en plus. Je sais que je vais oublier des trucs, c'est terrible. Mais c'est 1,5 km. Il va falloir que je prévoie de quoi avoir un peu de logistique, de transport, des pipelines. Donc il va falloir que je prévoie pas mal de tubes de cuivre, enfin de machin de cuivre là. Des rotors pour des pompes si jamais l'eau est mal foutue, parce que ouais, le truc c'est... À moins que je me prends la tête, et je sais que ici, derrière... Ouais, je vais faire ça. Je sais que là, un peu plus loin, j'ai de l'eau. Genre j'ai vraiment beaucoup d'eau quoi, c'est... voilà, il y a de l'eau et bien profonde en plus. Encore des ennemis là-bas. Donc ce que je peux faire, c'est simplement des extracteurs. Je tire... Oh putain, faut que je tire les câbles. Oh purée, je vais devoir tirer des câbles sur 1 km les gars. 1,5 km. Je vais tirer des câbles sur 1,5 km pour les extracteurs. Pas le choix de toute façon. Ouais, on va voir, est-ce que je vais avoir assez ces bobines. Ouais, je vais prendre du rab hein, parce que là sur 1,5 km. Ouais. Alors c'est où? Hop, on va prendre ça. Ça on va prendre. Du béton, il me fallait. Et ça aussi pour être sûr. J'espère que ça va pas faire sauter ça. Plaque de fer renforcée, au moins comme ça on sera sûr aussi. Pfff. 152. Alors bon. Non, c'est... Bon, c'est pas grave. Ouais, ça veut pas. Et waouh. Alors c'est... Attends quoi? Ils sont même pas complets. Non attends, j'y vois rien. Je vais le refaire, c'est pas grave. Hop. De toute façon on sait que c'est par là-bas. Ok, alors. Ah bon. Là ça a l'air d'être groupé par là-bas, je préfère, même si c'est à peine plus loin, je préfère aller là où c'est groupé. Attends, ah par contre... Je vais m'équiper de mon Kong Xenos parce que... ça peut mal se passer quoi. Ça nous permettra d'explorer un peu, on sait jamais, on va peut-être trouver, à peut-être tomber sur des trucs intéressants. Oh non, déjà. Ouais, ouais. Ah, en fait, ouais, si. J'ai la tête du bazar là, je me suis dit. Je pensais pas que c'était aussi gros, enfin aussi long du moins. Ça le temps trop incliné, mais non, regarde,
le forceur. Voilà. Hop. Trop long. Ah oui, bon là par contre. Faut bien. Oh, ça se joue pas grand chose en vrai. Voyons voir. C'est de par là-bas. Je crois que c'est un petit peu est-nord. Est-nord-est. Ouais. Ah, c'est vrai. Ah non, c'est presque plein est, ouais. Ok, câble trop long. Ah. C'est vraiment tirer un câble pour tirer un câble, quoi. Par contre, c'est joli. Hein. Ah, c'est vrai que ça me fait un peu chier de tirer un câble là-dedans parce que ça c'est beau, quoi. Mais... vraiment pas chaud, quoi. Tirer... En plus, de toute façon, je serais obligé de ramener les. Ah ouais, ah bah ça j'avais zappé, mais je serais obligé de ramener un... le charbon. Donc, Je sais pas si c'est en hauteur ou pas. Et si tu me dis que c'est en hauteur, genre là-bas, je suis dégoûté. Alors que je monte là. Il va y avoir de l'escalade, les gars. Là, vraiment. Oui, cap trop long, mais t'inquiète. Regarde. Cap bonne taille. Moi, j'avais cru voir un truc, mais non. C'est plutôt sympa le petit coin par contre. C'est pas tous ces énormes câbles en milieu là. Dit le fautif. Bon. Oula. Je connais ça, c'est un cracheur de plasma ça. Ça devrait être par là. 300 mètres. Bon déjà c'est plus proche. Maintenant il va falloir que je trouve un moyen de monter tout ça là. Dis pas que je suis obligé de passer par là-bas. J'espère pas. Le grand tour. Oula, ça pue par ici. Hein. Bah, c'est pas ouf quoi. Alors, il faut que je trouve un moyen de monter. C'est terrible. Ouais. Bah, je crois que je vais être obligé de passer par là-bas. C'est quoi ça? Une note de fer pure. Oh. Ah. Oh non, pas un deuxième. Ça peut très mal finir cette histoire. Hein. Oh la vache, ah, ça baisse bien la vie, hein, purée. J'ai des noix. Non. Allez, mange. Bon, la vraie question maintenant, c'est comment je monte. Ça, minerai de fer pur. Oh, oh non, mais stop! Encore du minerai de fer pur, la vache! Ah, ça se souvenir là, faut rappeler de l'endroit. Bon, là vraiment, je monte comment? Je vais faire le tour, genre encore plus le tour, c'est ça? Peut-être un passage par là? Oh, ouais, mais. J'avais su. Bon, moi on saura pour parce que je suis sûr qu'on va devoir faire quelques allers-retours.
Ouais, c'est ça, le passage il est là. Ok, sympa le quoi. Ah, en plus je vais plein est comme ça. Ah, parfait. Oh non. Je crois que je suis bloqué par par des trucs là-bas, par des gaz toxiques. Ah non, mais non, il faut que j'aille là-bas. Ah oui, ok, ouais, c'est bon, c'est bon. Et deux passages, et je vais aller sur l'autre passage. Ok, ouais, c'est bon. Je reconnais à peu près. Enfin, je reconnais. C'est un gros mot. Bon, là, par contre, faut pas tomber. Il faut que je retrouve mon câble. Bonjour, le câble. Où es-tu? Ah, voilà, je te vois. Tellement moche. Tellement dénaturant que t'inquiète pas que je l'ai trouvé. Tu sais. Je vais le faire tirer par là-bas. Passage là? Oui. Oh, faut pas tomber. Plein est. Oh. Ça serait par là? Alors, terrible. J'ai réussi à monter, mais là, voir si, je sais pas, peut-être faire le tour. Et s'il faut que je monte là, ça va être un calvaire. Ah zut. Aïe. Oh, ça m'a l'air d'un mal famé. Je sais pas ce que c'est ça, mais j'ai pas envie de m'y approcher. Hein. Là, t'as une grotte. Je me dis si c'est là-dedans. C'est où? Oh purée, c'est par là. C'est terrible. Ouais, non, bah non, je veux pas m'y approcher. Hein. Bon bah. Sniff. Un peu déçu. Bon, au moins, on sait où est la base. Grâce à ce truc. Okay. Faire de l'escalade, c'est ça? On va essayer de l'escalade. D'avoir une sorte de passage là. Ouais, on va prendre des noix parce que il y a quelques monstres pas très très gentils dans le coin, dit. Étrangement. Oh non. Allez, saute mon ami. Allez, continue, continue. Oui, fais de ton mieux. Ah. Un dernier effort, un dernier effort. Ah. Oui. Là, là, ce qu'il faut pas faire pour essayer de monter. Je sais même pas où c'est. Je suis perdu en plus. Là, on va éviter de tomber. Je vais juste voir s'il y a un truc. Non. Charmant. C'est terrible. Je crois que c'est vraiment là-bas en plus. Je crois que c'est vraiment au-dessus. Bon, là il y a un petit chemin. Je pense qu'il faut le suivre. Pause. Alors,
voir qu'à un moment il va y avoir un trou. Tu sais, c'est comme le jeu là où tu dois monter, monter tout en haut et où quand tu redescends, bah tu. Quand tu tombes, tu peux redescendre tout en bas. J'ai l'impression de jouer au même truc. Sauf que c'est pas le but principal du jeu. Oh non, c'est terrible ça. Me dis pas que ça s'arrête là. Je suis pas serein là. Allez, monte! Allez, grimpe! Grimpe! Encore! Ça veut pas. Oh non, si je suis bloqué genre là, je suis tristement déçu là. Ouais, bah un petit passage là. Comme ça, là, en mode sur le. Y a bien moyen. J'y vois plus grand-chose là. Et là, si je fais ça, genre. Oh, c'est triste ça. C'est vraiment très triste. Et il manque rien en plus, hein. C'est vraiment juste pour nous embêter, quoi. Ah, tu sens que le. Tu sens que s'il fait un gros effort, tu vois, il peut passer, mais. Ah non, c'est terrible ça. Ah, c'est terrible ça. Ouf. Ah bah la nuit, elle est tombée d'un coup, dit. Oh la vache. Bon, oula. Ah, c'est une nitrolimace, ok. Je me suis dit encore un truc chelou là. Bon, bah comment je. Il doit y avoir un passage en vrai, il doit y avoir quelque chose, ils ont bien prévu quelque chose. Ouais, non, bon, et. S'il vous plaît, rallumez la lumière, c'est. On n'y voit pas grand-chose. Merci. Suite demandée, c'est trop bien. Ah, oh, c'est terrible. Y a pas un bouton pour ça, pour s'accroupir? Peut-être que ça passerait. Ah, ok, c'est là. Là comme ça, non? Mode crapaud. Eh! Ah, c'est terrible ça. Ça passe pas du tout. J'essaie de me mettre un peu comme ça, là. Je sais pas trop comment. Mais. Ouais, je pars de plus bas, donc non, ça va pas être. C'est terrible. Alors là, à moins que je fasse un saut parfait, là, genre. Oh, ah, le saut des enfers. Attends, c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Wesh, arrêtez les gars, c'est pas drôle. Enfin, au bout d'un moment, quoi. Ça se trouve, je fais tout ça pour rien. Hein. Ça se trouve, il n'y a même pas de passage. Hein. Vous avez entendu le premier degré en mode putain, je vais glisser. Putain, c'est que ça maintenant, quoi. C'est. Ah, là, c'est si tu te foires là. En plus, la sauvegarde qui va bien se mettre au même moment. Qui ralentit un peu tout. Wesh, non, mais il n'y a pas de. Y a pas de. Y a pas de haut là. Dites-moi que ça se finit quand même au bout d'un moment. On va y aller progressivement. Alors si tout ça c'est juste pour une électrolimace, m'en fous de la couleur.
on va. No joke. C'est où la suite? C'est où la suite? M'en fous de l'électrolimace. Oh non. Arrête là. À moins qu'il y ait un passage là, non? J'ai l'impression que c'est déjà la cinquième nuit depuis que je suis parti là. Terrible. Et on n'y voit rien en plus. Hein. Pareil, remettez la lumière, hein. Please. Mais j'ai bien l'impression qu'il n'y a plus de passage. Hein. Oh, j'ai monté tout ça pour y aller avec. Oh là là. Non! Alors ça se trouve, il y a un autre passage. Hein. Voyons voir, est-ce qu'on voit. On a une carte maintenant. Je vais zoomer la carte. Ouais. Bon, on n'y voit pas grand chose. Hein. Déçu. À moins que je passe par là. Puis ouais, c'est ça, je crois que c'est juste pour l'électrolimace. Genre, oh non, c'est terrible. Bon. Quitte à être là, autant la récupérer quand même. Là, y a pas. J'ai vu quelque chose là, je crois. Là, quand il fait nuit, courage. Hein. Wesh, 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 wesh. Eh oh, ça va la glissade là? T'es pas au ski, mon ami. Hein. Non, mais. Un effort. Puis, faut faire un effort aussi au niveau de la luminosité là, s'il vous plaît. C'est pas que j'y vois rien, mais je suis totalement que j'y vois rien. Allez, que la lumière soit, s'il vous plaît. Parce que là, je sais pas du tout par où je passe. Alors, à moins qu'il faut que je saute comme un gros bourrin là-dessus, là. Mais ça, c'est un coup à se péter la tronche. Et puis, un peu, hein, pas qu'un peu, je veux dire. La lumière, s'il vous plaît, les mecs. C'est comme dans les films, là. Les nouvelles technologies. Tu prends tes mains, tu tapes deux fois dans tes mains et ça s'allume, là. Tu fais. Tac-ta! Non, c'est pas. Parce que là, j'y vois rien. Oui, avec ça, on pourrait monter là. Et ensuite, continuer là. Oh, putain, j'ai bien l'impression qu'il faille sauter sur ce truc-là. Oh, c'est terrible. Qui a eu cette idée? Surtout que. Le charbon il est à 92 mètres quoi. Vraiment. Et. Parce que là on peut monter un peu, mais je sais pas jusqu'à où on peut monter quoi. Au bout d'un moment, bah, quand je vais tomber. Ouais, à mon avis, là, je peux pas aller beaucoup plus. Non, sérieux, là, s'il vous plaît, la lumière. Les gars, là, ça fait 20 ans qu'il fait nuit. C'est quoi? Un gros nuage, c'est ça? Bon, quand il faut. Je suis tombé. Bon, j'ai pas eu de dégâts donc je suis pas tombé trop haut. Ouais, mais là. Mais si en plus ça glisse. Wesh. On va y arriver, les mecs. On va y arriver. Je vais pas abandonner. Du moins, pas si facilement. Et ça, je sais même pas si on peut sauter dessus. Ça a l'air glissant en vrai. J'ai pas l'impression que ce soit très droit, très.
La lumière, s'il vous plaît. Non, mais sérieux, c'est pas une nuit, là, c'est... Parce quoi, là? Il y a une éclipse, c'est pas possible. On arrive dans une grotte, d'un coup. Ça y est, ça recommence, enfin. Je suis où? Putain, j'arrive plus à me repérer avec les couleurs, là. Oh, la vache. Tellement un changement de couleur, là, que... Allez, allez. Mais non, qui était? Ah, terrible. Oh la vache. On était pas loin. Je me suis dit, c'est bon. Et en fait, non. Ouais. Ah ouais. Et ensuite? Il y a genre un point en hauteur là, pile. Ah oh, la vache. C'est terrible ça. Et si ça se trouve, genre il y a un truc, et là vous me direz dans les commentaires, genre, si regarde là, t'as un petit passage là, tu l'as pas vu là? Non. Allez, on se concentre. Ça c'est pas droit du tout en vrai. Allez, là on a vu qu'il y avait un truc sur lequel on pouvait arriver. Oh, me dis pas que ça passe pas là, mais t'as les jambes... Oh, un effort, utilise tes mains aussi un peu quoi. Wesh, non mais... Puis ça c'est une fois sur deux aussi. Attends, me dis pas, il y a un passage là. Je vais relouper un passage. Non mais là jamais c'est un passage, on est d'accord. Là c'est juste... là c'est juste... C'est quoi là? Oh la vache. Je le sens que je vais le regretter. Je le regrette déjà. Oula, ça glitch. Oula. Oula, on est dans la pierre. Oula. Je voudrais remonter, s'il vous plaît, sans avoir besoin de tout refaire. Oh, oh non. Oh, c'est terrible. Oh, regardez ce que je dois refaire. Oh, c'est terrible, ça. Bon, y a-t-il un autre passage par là? On va essayer, hein, de toute façon... Non, c'est le passage principal. Oups. Oula, j'ai raté là. J'ai raté. On va y arriver, les gars, on va y arriver. Vas-y, je vais essayer ça. Hein. Alors, si on peut aller dessus, tiens. Au moins, je viens de comprendre un truc. Moi, je viens de comprendre que à certains endroits, on peut aller dessus. Je sais pas si vous avez vu, j'ai marché totalement. Yes. Hurrah, 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 hurrah. Oh, j'ai l'impression qu'on peut monter encore plus. Allez, viens à toi. Ah, le passage là. Ouais mais attends, à remonter Ouais, alors le petit coup de frise par contre. Attends, on peut passer au moins là, j'espère. Non. 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 Non, 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 les blagues les plus courtes sont les meilleures. Comment je suis censé monter ça? Premier degré, hein. Je suis censé monter ça.
82 mètres, on était tout à l'heure. C'est terrible. Je crois que j'ai fait tout ça juste pour une électrolimace jaune. Mais je m'en fous de ton électrolimace jaune. Bon. Eh bien écoutez, la suite de nos péripéties dans le prochain épisode, puisque là ça commence vraiment à faire long. J'espère que ça vous aura quand même un peu plu. Bon bah on continuera à chercher ce charbon. Hein. Tout bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi, c'était Tchob. Ah là là, ciao.